Bonjour à vous mes clochettes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente et j'ai l'habitude de vous en faire de temps en temps. Et là il s'agit donc d'un haul vêtements spécial automne d'une marque que j'adore qui à la base faisait des maillots et fait également des vêtements et des vêtements de qualité très bien taillés et vraiment très originaux. Je sais que vous avez été nombreux et nombreuses à suivre mes recommandations et j'ai eu que des retours positifs et même au boulot. Quand je porte les vêtements, à chaque fois on me dit ah, ça vient d'où? Et mes copines du coup se commandent aussi des vêtements. Il s'agit de la marque Cupshe, donc des vêtements qui vont sortir ou qui sont déjà sortis sur le site spécialement pour l'automne. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Sachant que là, il y a eu quelques petites erreurs de taille. Donc vous allez voir dans les vidéos que je vais vous incorporer, il est possible que du coup, j'ai peut-être un maquillage, une coiffure différente. Alors ce que vous entendez là, c'est mon risotto aux crevettes qui est en train de terminer, si toutefois vous l'entendez. Donc je m'excuse en tout cas pour ce bruit. Et donc du coup, je vous disais, ils m'ont envoyé du XS. Alors c'est très flatteur, hein. Ils m'ont vu un petit peu plus fine que ce que je suis, sachant que le XS, c'est censé correspondre en 36. Moi, c'est la taille que je fais, mais je suis plus à l'aise dans du S, qui correspond pour ma part à un 36-38. Et je trouve que les jupes, du coup, sont également un petit peu plus longues. Donc, on va commencer immédiatement. Je vous mettrai d'un côté le visuel du site et je vous mettrai de l'autre ma vidéo avec les vêtements portés. C'est parti, j'ai super hâte. Alors, il y a des pièces dans cette sélection que j'ai choisies moi-même et il y a également des pièces que la marque m'a envoyées. Donc, du coup, j'ai très très hâte de découvrir tout ça avec vous. Concernant les emballages, vous recevez tous vos produits dans des pochettes individuelles comme ça, totalement réutilisables. Et ça, c'est bien notamment pour les maillots l'été, parce que c'est des petites pochettes en plastique. Donc là, si ma mémoire est bonne, il s'agit d'une jupe, alors une jupe en XS, une jupe taille haute, style un petit peu daim. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, j'ai craqué avec des bottes hautes. Je suis sûre, mais que ce sera sublime. Regardez-moi cette petite merveille. Franchement, je l'adore. Et sur le devant, vous avez donc une petite fente là, juste ici, avec des bottes hautes. Ça va être mais sublime. Regardez la matière. Également la doublure, c'est vraiment d'une superbe qualité. Vous avez une zipette également sur le côté et celle-ci, je l'ai trouvée mais sublissime. Je regrette pas de l'avoir choisie parce que ça, oui, c'était un choix et je la trouve vraiment trop, trop canon. On commence très bien et oui, parce qu'on peut être déçu sur certains sites, hein, pas Cupshe, quand on commande des pièces et qu'on les reçoit, c'est souvent moins bien que ce qu'on a vu. Et bah là, c'est plutôt le contraire. Je suis à chaque fois agréablement surprise des vêtements que je reçois. Et je suis même encore plus contente que ce que j'ai vu sur le site. J'ai ensuite une autre pièce qui ne me parle pas. Donc là, je pense que la marque me l'a envoyée comme ça. C'est comme je vous le disais, il y a aussi des pièces de la nouvelle collection qui m'ont envoyé pour vous les faire découvrir. Alors, je crois que c'est un pull. Ça peut être joli, vous savez quoi, avec un leggings. Ouais, je pense que ça peut être, mais vraiment canon et peut-être des baskets. Alors, je ne sais pas trop si ce sera mon style. On dirait un peu un pan comme ça. En tout cas, c'est super doux comme matière. C'est hyper agréable. À voir porter ce que ça donne. On peut être agréablement surprise, je pense. J'ai même pas vu du coup sur le mannequin ce que ça donne. Je ne sais pas si j'aurai encore les visuels, en tout cas, de la nouvelle collection. Sinon, vous verrez que mon visuel à moi. Mais bon, en tout cas, la matière est là. C'est super, super doux. Ça m'a l'air d'être hyper agréable. C'est assez fin, quand même. Mais à la fois, c'est quand même une matière, c'est de la laine ou pas, qui est assez chaude. Donc, je pense que ça peut tenir chaud, même avec un petit top en dessous. C'est 100% en acrylique. Nous passons ensuite à une autre pièce, et ça je reconnais, je l'ai choisie. Et en fait, c'est un gros gilet comme ça, moutarde, qui m'a l'air d'être hyper confortable. Donc là, c'est du S. D'ailleurs, le pull, c'était quoi comme taille? Ça vous donnera une idée si ça vous plaît. C'était du XS, le pull. Donc le gilet se présente
J'adore la couleur, comme ceci. C'est vraiment une maille, mais qui est super, super épaisse. À chaque fois, c'est très, très bien emballé hein, pour chaque pièce. Et là, ça se présente comme ceci, avec des grosses manches comme ça. Il m'a l'air d'être super, méga confortable. Alors, je vais vous dire également la matière de ce gilet. C'est en quoi? C'est... Ça y est, je crois que je l'ai trouvé. Non, raté. Alors, 55% en polyester et 45% en acrylique. En tout cas, j'adore la couleur. C'est tout à fait dans le thème automnal. Je suis absolument fan, mais fan de ce gilet. Et je pense que ça pourra s'associer à plein de pièces. Autant avec une petite robe noire qu'un legging et un top, avec un jean, voilà, pour toutes les occasions. Je pense que ça peut très très bien aller. Nous avons ensuite un top qui ne me parle pas. Donc là, je pense que c'est la marque qui a voulu me le faire découvrir et vous le faire découvrir. C'est du XS pour celui-ci. Alors, ça m'a l'air d'être crop top. Je crois qu'on dit comme ça, vous savez, les hauts assez courts. Ouf, ça m'a l'air d'être joli. C'est super méga doux. Ça se présente comme ça. Nous avons des manches assez fines. Qu'est-ce que c'est doux. Ça m'a l'air de tenir, mais super chaud. Et ce qui est joli, en fait, c'est que sur le dos, vous avez une petite lanière comme ça. Il est super doux. Ça, je pense qu'avec un jean taille haute, ça peut être super canon. Pour la matière de celui-ci, on a 52% d'acrylique, 28% de nylon et 20% de polyester. C'est dommage que vous ne puissiez pas à chaque fois à travers les vidéos toucher, sentir, parce que là c'est méga, méga doux. C'est pas du tout des matières qui grattent. C'est super cocooning, hyper confortable. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Alors, j'ai quelque chose en XS. Comme ça, ça ne me parle pas à première vue. Ah si, ça c'est moi qui l'ai choisi. Et pareil, XS, alors du coup, il faudra peut-être que j'attende qu'il me renvoie les bonnes tailles pour les essayer. On verra, hein, du coup, si ça me va ou pas. Je vous incorporerai à l'écran la taille que je porte. Donc, c'est une jupe style simili-cuir. On retrouve toujours cette petite feinte là devant, qui est super canon. Donc, taille haute également. Vous avez la zipette cette fois-ci sur le dos. Elle m'a l'air d'être hyper agréable. Oh, peut-être que le XS me va pour celle-ci. À voir. L'intérieur est comme ça. C'est tout doux. Donc, du coup, voilà, ce sera agréable à porter. Ça peut être sympa, vous savez quoi, avec le petit pull blanc, là, qu'on vient de voir juste avant. Dites-moi ce que vous en pensez, vous me direz en fin de vidéo, on fait un peu comme d'habitude, quelle est votre pièce ou vos pièces préférées, et si vous allez craquer ou pas. D'ailleurs, j'ai vu aussi qu'ils allaient sortir des bottes, mais qui ont l'air d'être trop canon. Alors, après, j'ai un maillot en XS que je n'ai pas commandé. Mais je suis plutôt agréablement surprise. Il est assez original. Il est joli. Il m'a l'air d'être assez échancré. Et le dos est super canon. Regardez-moi ça. Je suis fan. Ah ouais, il est joli. Il m'a l'air d'être assez échancré là. À voir. Écoutez, à voir. Je ne sais pas si j'oserais le porter en vidéo ou pas. Là, vous avez également des coques amovibles à l'intérieur. Mais il est plutôt joli, c'est original. Écoutez, ça sort un petit peu de ma zone de confort. Pourquoi pas? À essayer. Alors ça, c'est moi qui l'ai choisi. Donc là, j'ai du XS pour les tops. Je pense que c'est correct, hein, XS pour un 36. Et en fait, j'ai craqué. C'est une espèce de chemise robe un peu longue, là, comme ça. Oh, style léopard. Vous avez un col, mais comme ça, là. Avec un petit décolleté. Bon, vous verrez mieux, bien sûr, en vidéo. Nous avons des manches qui sont resserrées avec un bouton juste ici. Et ça, pareil, j'ai fait l'acquisition de petites bottes avec des petits talons. Et je pense que ce sera mais juste parfait. C'est un petit peu plus resserré, là, à la taille. Mais pas tant que ça, c'est assez large. Donc, je pense qu'avec accessoirisé avec une ceinture, ce sera joli. Et sur le bas, nous avons des petits volants comme ça. J'adore le motif léopard. Je trouve que ça va bien pour l'automne. En tout cas, j'adore. Franchement, là, j'ai craqué. Et je pense que moi, c'est quasiment sûr, je vais l'accessoiriser avec une ceinture à la taille.
parce que j'aime pas trop quand c'est bouffant, j'aime plus quand c'est un peu cintré. En majorité, après c'est vrai que j'aime bien le style un peu loose aussi des fois. Alors celui-ci, je crois savoir, je crois que c'est moi qui l'ai choisi, je crois savoir ce que c'est. C'est du XS également pour celui-ci. Et nous avons là, ah oui, alors ça c'est super joli, regardez mes clochettes. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Alors là, ça fait limite printemps, mais bon, ça peut très bien se porter également à l'automne. Donc nous avons des manches resserrées juste ici, donc il n'y a pas de bouton hein, par contre cette fois-ci. Bah, vous voyez, c'est un petit peu dans le style que j'ai là. Hein. J'aime beaucoup ces manches. Et là, sur le devant, c'est comme ceci. Donc on a un effet de transparence. Vous avez de la petite, comme de la petite dentelle sur le col. Et le bas est comme ceci. Bon, bien évidemment, ce sera mieux porté en vidéo. Mais ça, j'aime beaucoup. Alors, je crois que je ne l'avais pas sélectionné. Je pense que c'est plus une surprise de la marque. Alors là, c'est une surprise parce que ça, je ne l'ai pas du tout sélectionné. Je pense que ça va un petit peu sortir de ma zone de confort. J'essaye de vous l'ouvrir. Ça y est, j'ai réussi. C'est du XS. Mais ça m'a l'air d'être comme ça. À première vue, hyper loose. Alors, on a un effet un peu bûcheron comme ça. Donc là, voilà pour... On va dire pour les week-ends ou les sorties où on va être un petit peu plus cocooning, ça peut le faire. Il y a un grand col comme ça. Elle est assez longue. Je sais pas trop ça si c'est mon style. Faut voir. Elle m'a l'air d'être longue hein, quand même. Donc je pense que même avec un legging, ça peut être joli pour avoir un style un petit peu plus décontracte. Ou même en veste un peu loose. Pourquoi pas? Bah écoutez. On verra en vidéo. Nous avons ensuite une pièce, cette fois-ci en XS. Est-ce que celle-ci, je l'ai choisie? Oui, je l'ai choisie. Je vous parlais justement de leggings. Et là, nous en avons un en espèce de simili-cuir. Alors, à voir après porter. C'est du XS, donc j'espère que je vais rentrer dedans. Mais j'aime bien cet effet-là avec le trait, là, comme ça, devant, sur chaque jambe. Ah, quoique, ça peut aller. Ça peut aller. L'intérieur est comment? C'est un intérieur assez doux. C'est pas la matière que vous retrouvez là. Hein, donc, ce sera, je pense, agréable à porter. Et bien, vous savez quoi? Ça, je pense que je testerai avec la veste un petit peu bûcheron pour nous donner un petit peu une idée. Et pour finir, j'ai une dernière pièce. Il y a beaucoup de blanc dans cette sélection. On reste dans le blanc, marron, noir, vraiment les couleurs automnales. Le blanc, après, ça va à toutes les saisons. Et nous avons là, alors là c'est une surprise, mais qu'est-ce qu'il est joli. Je suis mais super contente. On a un col comme ça, arrondi. C'est super mignon. Ah ouais, vraiment, c'était quelle taille? XS. Il est assez loose, hein, donc vous verrez sur mon 36 ce que ça donne. J'adore les manches. Franchement, elles sont mais trop canon avec des fleurs comme ça là. C'est super joli. Ouh, alors celui-là, je l'aime bien. Je testerai aussi avec le legging, hein, tant qu'à faire. Ouais, il est très joli. Donc le devant, il n'y a rien de particulier sur le derrière. Là, vous voyez, je pense, à l'écran directement ce que ça donne avec le legging. Mais j'aime beaucoup cette encolure-là. C'est super mignon. Ouais. Ma sélection Cupshe est à présent terminée. Il y a plein d'autres pièces canon sur le site et plein de maillots aussi, hein, si vous voulez, ça change pas. N'hésitez pas à aller voir. Je sais également qu'ils ont de superbes bottes. Moi, j'avais craqué sur des bottes. Bon, apparemment, plus de dispo pour ma sélection. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça aura pu vous donner des idées de looks pour cet automne. Et moi, c'est vraiment ma saison préférée. Donc, je tenais absolument à faire un haul Cupshe spécial automne pour vous faire découvrir ces petites pépites, parce que c'est des vêtements, voilà, qui sont pas très chers, de qualité. Et je crois que mon code promo fonctionne toujours. Si c'est le cas, je vous le mets à l'écran. Je vous fais de très gros bisous, mes clochettes, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!